vivre en homme, c'est ça? Ah, bâtard, hey, on peut faire ça. Y a quoi? Non, ok, bref, on va terminer ça après. Tu es venu dans mon live, tu dis tu veux un homme. C'est ça que tu m'avais dit, non? Adama, je sais ce que tu as besoin. Adama! Toi, quand tu vois fesses ici, tu deviens zinzin. Jerry, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, hey, attention! On est des débats là, parce que là, là. Voilà. Adama! Mais quand il te fait retour, tu peux le faire. Quand il s'aborde à toi, tu peux le faire retour, on sait jamais. J'ai fait voilà. Retour. C'est, attends, c'est que toi, c'est pas tous les hommes qui vont venir amuser quoi. Mais le moment où je commence, dès le début, il commence déjà à me parler n'importe quoi. J'ai arrêté de répondre à toi parce que je me dis que c'est des gigolos. Il vient juste pour un truc. En sachant que moi, quand je suis montée dans le direct, j'ai dit je te veux. Moi, c'est toi que je veux, mais tu ne veux pas de moi, c'est pas grave. J'ai compris. Attends, ma chérie. Tu sais, il y a combien de femmes ils vont monter dans mon life? Adama, c'est toi que je veux. Mais il faut arrêter ça. Adama, moi j'ai eu. Attends. Moi j'ai eu courage de faire des combats. Moi j'ai eu courage. Mais je n'ai pas dit toutes les femmes qui vont venir, venez présenter avec moi. Hein? Mais Adama, t'es un homme. Si on te veut, ça veut dire que tu es un homme. Chacun tente sa chance. Soit on te trouve, soit on te trouve pas. Ça, on te gagne, soit on te gagne pas. Mais il est où le problème? T'es un homme, non? Regarde comment tu es musclé. Regarde comment même tu lèches tes lèvres là. Hein? Comme ça là. Tu penses que les femmes qui te veulent là, Oh, Adama. Toi, tu te vois pas bien. Hein? Madagascar, c'est ça, non? Non, comorienne. Mais ma chérie, l'autre fois là, tu n'as pas dit que tu es comorienne, tu as dit que tu es madagascar. Ma mère, non, j'ai pas dit ma mère, il est comorienne. Moi, je suis née à Mayotte, je suis mahoraise. Ah, ok. Madagascar là, c'est pas pour moi. Mais Comore là, c'est que moi j'ai entendu sur non, j'ai dit Comore, c'est à côté de Madagascar. Non, j'entends. Oui, c'est à côté de Madagascar, c'est à côté d'Afrique. Mais ils ont dit que votre dot là, vraiment, c'est cher, hein. Wallahi. C'est ça qui me fait peur, même. Non, c'est, moi, avec toi, c'est pas grave. Tant qu'on se comprend, tu peux me donner la moitié le jour, et la moitié, tu me donnes après. Tant qu'on se comprend. Mais votre dot là, c'est combien, à peu près? Ah, moi, ça dépend. Moi, tant que tu m'amènes un Coran, pour moi, c'est bon. Moi, ça me suffit. Non, mais c'est pas toi qui décides, c'est ton parent qui décide. Oui, c'est mes parents qui décident, mais moi aussi, j'ai mes mots à dire chez nous. Tu peux dire que maman, non, je ne veux pas ça, je veux ça. Non, mais d'autres, ils disent que 10 000 euros, toi, tu vas dire que c'est encore là. Mais c'est pour ça que je dis, il y a déjà une demande d'argent, mais moi, je veux demander le Coran. Moi, c'est ça, en fait. Moi, ma dot, c'est ça. Même si demain, j'ai des enfants, ça sera ça, la dot. Le Coran. Oui, il y a des dots de 20 000 euros. Parce que je comprends pas. Il y a des dots de 30 000 euros. Tout ça, il y en a. Je ne dis pas qu'il y en a pas.